Arafat alias Black Oya le Métis, humoriste vieux de Gadab, président du comité de normalisation de la musique camerounaise. Même si je tape les casseroles, vous allez seulement danser. Les enfants. Oula oula! Oula! Oula oula! Ah oula! Salut les jeunes du quartier. Salut, Sa Majesté. Salut, Majesté. Si je vous ai convoqué ce matin à la chefferie du quartier, c'est parce que j'ai constaté quelque chose qui ne va pas. Et je ne voudrais pas que mon quartier soit sali. Je vous ai convoqué sans même l'avis de vos parents. Je n'ai pas besoin. Vous savez, pendant la guerre de 1914, j'ai arrangé des choses qui dépassent vos histoires. Voilà. Ceci dit, il y a 3 filles dans ce quartier qui sont enceintes. On en parle partout. Je voudrais savoir ceux qui sont auteurs. Aoula, oula. Aoula. Aoula, oula. Oula. Majesté, vraiment, vous connaissez très bien le respect que je vous voue. On vous a convoqué aujourd'hui sans dire l'objet même de la convocation. Tout ce qu'on m'a dit, c'est que Majesté a demandé qu'on se retrouve à la chefferie. Mais comme j'ai un respect inu pour vous, je ne pouvais pas me permettre de ne pas respecter la convocation. Mais vraiment, Majesté, ne prenez pas ça comme une prétention. Mais permettez-moi de vous relever ce que je constate. Si vous voulez jeter mes paroles, mais prenez-moi. Majesté, l'initiative est bonne pour laver l'image du quartier et empêcher que nous, les jeunes, nous allons à la dérive. Mais sinon, Majesté, moi, je trouve quand même que... C'est-à-dire que laisser les parents, la responsabilité qui revient aux parents et prendre ça sur vous, donne l'impression que nos parents sont des irresponsables. Donc, moi, je me dis que peut-être vous aurez pu laisser au moins ça aux parents. Mais sinon, Majesté, je suis d'avis pour vous dire que si quelqu'un a l'intention de salir l'image du quartier, vous deviez sévir. Aoula, oula. Aoula. Aoula. Je prends la parole en tant que le messager, en tant que le responsable des 9 qui sont gardiens de nos traditions. Nous avons constaté que certains individus ont posé des actes qui souillent ou encore qui portent atteinte à notre quartier. Sa Majesté, là présent, est un auxiliaire d'administration, c'est-à-dire représente l'administration. Nous ne pouvons pas laisser que notre quartier souille la honte. Nos voisins ont même changé le nom de notre quartier. Certains nous appellent quartier de beaucoup de grossesses. C'est pour cela que Sa Majesté a décidé qu'aujourd'hui, nous allons mettre fin à cela. Donc, il faut que ces femmes nous disent qui les ont enceintées. Très bien, notable. Je veux d'abord savoir les 3 filles qui sont enceintes. Avancez-vous ici. Majesté, puisqu'elles ne peuvent pas s'avancer, s'il y a quelqu'un dans la foule qui nous pointe ces filles-là. Très bien. Votre Majesté, honorable et vénérable notable, vénérée reine-mère, ma bouche ne saurait rester muette lorsque je constate les atrocités qui règnent dans ce quartier. Je suis donc là pour dénoncer celles qui prêtent à notre quartier ce surnom de quartier ballon. Donc je vais les dénoncer. Elle déjà, votre Majesté. Hey, tu n'as pas ta vie. J'ai ma bière. Il y a aussi... Non, elle est là, les règles malheureuses. Pardon. Oui, toi, vous-même, c'est même, vous n'avez pas les yeux, votre Majesté, regardez. C'est toi qui m'as enceinte. Votre Majesté. Vous voyez, celle-ci aussi. Look at my stomach. Look at this drunk. Stupid drunk. Moi aussi, je t'aime. Votre Majesté, elle, voilà. Elle également, voilà, qui était à côté de moi. C'est même pas elle que je voulais commencer. Elle est enceinte. C'est quoi ton problème? Venez là.
Voilà. Voici donc celles qui mettent à mal nos valeurs inculquées par nos parents, votre majesté. Et je ne parle pas de celles, parce qu'il y, en a même ici que ça n'a pas encore commencé. Oula, oula! Oula! Judas! Écoute. Tu sais très bien que c'est irrespectueux d'arrêter une bouteille de bière devant sa majesté. Et je m'excuse, Judas. Ceci vient donc de t'enlever les remerciements que la chefferie devait faire à ton endroit pour le travail que tu viens de faire. Non, je m'en vais jeter ça. Mais je ne suis pas sûr. C'est moi qui ai donné l'information. Non? Vraiment, ça c'est une honte pour le quartier. C'est pas bon pour notre image. Bien, comme il en est ainsi, ces trois filles, dites-nous qui vous a enceinté. Je n'ai rien à dire ici. Je ne suis pas, c'est pas chez nous. Vous n'êtes pas mes parents. Je n'ai rien à dire ici. Tes parents étaient là quand tu faisais ça. Mm-hmm. Useless girl. L'éducation. Même l'éducation. Mm-hmm. Suivante. Non. 2 contre 1. C'était une partie quoi? C'est la part partout. Ça veut dire quoi? C'était l'agression. Ça veut dire que c'était une rencontre déséquilibrée. Qu'il vient donc nous dire ça ici. Voilà, qui vient. Qui est Patou? Mais qui s'appelle Patou parmi nous ici? Bon, Majesté, comme elles ne veulent rien dire de bon, passons directement à la tradition. Les trois filles là, derrière. Je veux maintenant les garçons. Ah, oula! Oula! Eh, oula, oula! 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 Gagnez ce nom, vie! Des cartes vie à l'autrui! Ce que nous allons faire. Comme venait de dire Sa Majesté, chacun va traverser dessus. Aoula, oula! Oula! Aoula, oula! Oula! Voilà! Nous allons commencer de ce côté. Vous allez traverser sur tous les hommes. Majesté, je suis sûr que si ce n'est pas le brun là, celui qui est rouge comme le machin là, parce que lui, là, avec les femmes, c'est que c'est celui qui a la tête roulée comme le caca de la chèvre. Tu vas voir. Ne t'inquiète pas. Tu verras, Majesté. On passe un à un. Première personne. Moi, je viens le premier, Votre Majesté, parce que je ne me reproche rien. Ces filles-là, on a grandi ensemble. On s'est lavé ensemble, on courait partout ici. Mais depuis que le corps a changé, contrairement au mien, maintenant, elles me parlent n'importe comment. Donc ça là, moi je vous dis déjà, mon style fait le cours élémentaire 2. Ce n'est pas moi. Suivant. Comme pour vous dans ce quartier, être brun et beau cause un problème. Jusqu'à ce qu'on parle de grosseur, vous me pointez du doigt. Et le chef me regarde. Je ne suis moi pour rien. Suivant. Ça reste toi, eh. Va traverser, non? C'est quoi? Aoula, oula. Aoula. Aoula, oula. Aoula. Majesté, avec tout le respect que je vous dois, vous savez très bien que je suis chrétien. Et que, en tant que chrétien, je ne peux pas faire des mélanges, déjà. Vous savez que je loue un Dieu jaloux.
un Dieu qui n'accepte pas que tu viennes à l'église, tu parles de Dieu et tu sors, tu côtoies les marabouts. Ouais. Dans la Bible même, il est écrit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Vraiment, Majesté, je ne pourrais pas traverser. Mais chacun de nous, chacun ici, sauf de mauvaise foi, connaît ma personnalité et ma bonne foi. Chacun sait ici quelle est ma moralité. Je ne traverse pas seulement parce que je respecte la religion que j'ai décidé de louer. Majesté, je pense qu'il a parfaitement raison. Nous avons l'habitude de dire que c'est lui qui sait les crânes. Le fait avec amour et que c'est lui qui va à l'église, le fait également avec amour. Ce que nous pouvons lui demander, c'est qu'il jure au nom de son Dieu qu'il ne connaît rien sur ses grossesses. Je ne sais pas si j'ai besoin de le faire, mais le Dieu qui est au ciel sait très bien que je ne suis pas de cette espèce. Je ne suis pas de cette mauvaise race. Je fais partie de ceux qui luttent pour que ce quartier soit toujours vu du bon côté. Je dis à Dieu que si un jour, j'ai même eu l'intention de ne pas faire, Seigneur, me voici, punis-moi. Punis-moi de la manière la plus sauvage. Et j'accepterai. Parce que je sais que je me repose de rien. Me voici tout. Suivant. Grand, moi je veux pas moi voir les bébés avec toi. Parce que quand tu as bikini, tes bébés dit, moi j'ai une foi sûre. Oui. Ou toi tu voulais en venir. Tout ça c'était pour retomber sur moi. Mais grand, comme Itouli qui a son Dieu, moi j'ai mon God, Nadja. Oui, quand je prends mon petit Mimi. Moi je suis en parfaite collaboration avec lui. Oui, Itouli que il jure qu'il n'a pas d'où. Moi-même je jure devant mon Jack No, con. Et s'il ne saute pas, moi-même je ne saute. Je ne saute pas ça. Chacun sait qui est qui au quartier, donc ce n'est pas parce que. En bas, hein? Saute alors. Va sauter. Moi, je ne veux pas avoir le dossier avec vous. Bon, une dernière fois. Les femmes là, dites-nous ceux qui vous ont enceinté. Avant que je ne passe à la dernière phase. Bien. Je vais déposer cette arme de paix à la porte. Celui qui traverse. Ce qui lui arrive demain, je ne suis plus responsable. Vous allez où? Moi, nous on habite ici. Moi, je ne veux pas moi de bébé avec toi. C'est quoi avec toi? C'est quoi? Vous commencez d'abord par nous dire que non, il faut qu'on saute. Mais c'est le saut pour le concours d'entrée en sixième. C'est le saut mouton. Si vous ne vous reprochez de rien, pourquoi fuir? Pardon. Hein? Ne nous dérange pas. Hein? Ok, c'est bon. Allez-y alors. Chai Ami, Majesté. Traversé. Si tu ne te reposes de rien. En tout cas, moi je me reproche moi de rien. Majesté, je vous dis que je suis chrétien. Vous mettez toujours les herbes en route, l'arbre de paix, comment? Si tu ne te reposes de rien, traverse, on ne doit rien te faire. C'est un chrétien qui peut traverser ça en tant que chrétien. Non, ça ne doit rien te faire, vas-y.
Majesté, un truc que... Si tu veux me savoir qui a enceinté une fille, est-ce que c'est à cette brutalité-là que tu vas utiliser? Du coup, si tu appelles, tu dis que... Tu m'appelles ici à la chefferie, que viens. On parle. Si je connais un truc, je vais dire. Mais quand tu appelles maintenant que tout le quartier, ça fait comme si c'était une rancune. Tu ne te reposes de rien. Mais la troisième, je ne connais pas. Les deux. Les deux premières, Majesté. Hey. Là, je dis ma vérité. Je ne peux pas vous mentir, vous êtes un papa. Je ne peux pas vous mentir. Mais les deux premières, la troisième, je ne me repose de rien. Comme tu reconnais que tu n'as rien fait, mais tu as reconnu les deux autres. Vas-y, ça ne doit rien te faire. Mais tu as enseigné les deux. Passe, ça ne doit rien te faire, passe. J'ai fait avec la troisième, mais vraiment rien de sérieux. Rien de sérieux, ça c'est pas moi qui l'ai enceinté. Majesté, je peux jurer qu'elle n'est même pas enceinté. On n'en disconvient pas là-dessus. Allez-y. Passe. Majesté. Comme il en est ainsi, il ne veut pas sortir. Allons à la chefferie. Voilà. On va à la chefferie. On va seulement aller ensemble, Majesté. Si c'est comme ça, on va seulement aller ensemble. Je peux te enlever, je suis un chrétien, je ne peux pas. Allons-y. C'est mal ensemble. Allons-y à la. Vous voulez que j'habite ici à la chefferie, va habiter. Souffrez de m'écouter. Je suis Didier Arafat, alias Black Oya le Métis, humoriste biodégradable, président du comité de normalisation de la musique camerounaise. Même si je tape les casseroles, vous allez seulement danser. Enfants, arrêtez de vous abuser car c'est l'heure de la vraie musique. On y va. Yeah! Arachide, beignet, caramel, bonbon, conchap. Arrête l'autre là, il n'y a pas la vitamine dedans.